Dieu est en train de te punir. Parce que tu as volé l'œuvre d'esprit de ton frère handicapé. Mesdames, messieurs, je fais cette vidéo avec beaucoup de peine. C'est vrai, je suis un homme. Mais si je pouvais pleurer, je l'aurais fait. Parce que j'ai vu Génie Solo couler des larmes. J'ai vu Génie Solo couler des larmes. Quand Prince m'a dit qu'il ne le connaît pas. J'ai eu envie de tout déchirer sur moi. J'ai eu un choc quand j'ai vu ses papas couler des larmes. Quand Prince m'a dit qu'il ne connaît pas Génie Solo. Mesdames, messieurs, faites attention aux œuvres de l'esprit. Faites attention aux élus de Dieu. Et je crois que je suis en mission. Dieu m'a envoyé pour Génie Solo. Dieu m'a envoyé pour lui. Je ne suis rien. Je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas riche. Je n'ai pas de relation. Je suis le plus détesté au Cameroun. Mais Dieu m'a choisi pour Génie Solo. Et observez ce qui va se passer. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Quel que soit le moment, quel que soit l'instant. Tant que Prince Aimé n'aura pas accepté que cette chanson ne lui appartient pas, il va payer le prix du karma. Écoutez bien ce que je vous dis. Tout projet qui va naître sur la chanson Viviane sera nul et sans effet. Pas parce que je souhaite, mais parce que ce sont les lois de la vie. Faites attention. Faites très attention. Faites très attention. Parce que tout bien mal acquis ne profite jamais. Quand j'ai regardé les vidéos de Longa Longa et Prince Aimé, j'ai compris que Prince Aimé n'a pas un fond clair. Son fond n'est pas clair. Est-ce que vous savez que celui qui ramène Prince Aimé à la lumière des réseaux sociaux, c'est Longa Longa? Mais Prince Aimé a trahi Longa Longa. Prince Aimé a déçu Longa Longa. Prince Aimé, ne continue pas à te surcharger des karmas. Génie Solo a eu l'inspiration divine. Tu as rendu sa chanson populaire. Ça veut dire que vous deviez être ensemble. Vous êtes appelé à former une famille. Vous êtes appelé à former une famille. Et ça, c'est le vœu de Dieu. Dieu a toujours souhaité que vous soyez unis. Dieu a toujours souhaité que vous soyez unis. Parce que votre histoire, j'ai eu beaucoup d'aveugles. J'ai eu beaucoup d'entretiens avec les aveugles du centre des handicapés où vous étiez. On m'a dit que toi, Génie Solo, Génie Solo t'avait pris comme un petit frère. Mesdames, messieurs, j'ai vu Génie Solo pleurer, ça m'a gêné. Ça m'a gêné. J'étais gêné. J'étais gêné. On va me traiter de tous les noms. Mais tout ce que je veux, c'est que la vérité soit rétablie et qu'il y ait réconciliation entre les deux. Parce que dès que Prince Aimé acceptera qu'il n'est pas l'auteur de cette chanson, vous verrez comme sa vie va changer. Comme sa vie va changer autant pour moi. Je parle avec beaucoup de peine et puis ça me gêne de voir comment un monsieur comme Génie Solo, comme Prince Aimé, va presque mourir pauvre avec tout ce qu'il a comme musique. S'il vous plaît, conseillez-le. Il faut lui demander de se repentir. S'il vous plaît. Si vous aimez Prince Aimé, si vous aimez Prince Aimé, demandez-lui de dire la vérité. La vérité va le sauver. Parce que ce qui se passe, mesdames, messieurs, n'est que réaction du Seigneur, n'est que réaction du bon Dieu. Le bon Dieu peut agir. Le bon Dieu agit, quel que soit le temps. Le bon Dieu, où il est, il connaît l'auteur réel de la chanson Viviane. Il connaît celui qui a écrit les premières de cette chanson. Tant que la vérité n'est pas restituée, vous allez voir, ce projet va toujours très mal. Comme ça, comme ça, comme ça. Et Prince Aimé restera pauvre tout le restant de sa vie. Tous ceux qui ont quelques notions de la spiritualité ou alors de la vie, du karma, vont comprendre ce que je veux dire. Tout ce que Prince Aimé vit n'est qu'effet du karma. Ce n'est pas sa chanson. Si vous l'aimez, demandez-lui d'accepter que ce n'est pas sa chanson et il verra le bonheur. Je vous jure et je vous mets à défi. Tant que Prince Aimé n'a pas accepté que ce n'est pas sa musique, je vous jure, tout ce qui sera planifié pour ce projet sera bouleversé et n'aboutira à rien. Parce que Dieu a dit, c'est le moment de la vérité. C'est le moment de savoir qui a écrit cette chanson. C'est le moment de la lumière de l'auteur. C'est le moment de son fils à qui il avait donné l'inspiration de cette musique. Mais vous voulez jouer avec ça? Aujourd'hui, si Desbordeaux ne veut même plus faire la chanson là, si Desbordeaux ne veut plus faire le remix, c'est pas de sa faute, hein? Même Dieu est dedans. Donc,
Si vous voyez des bandeaux refuser ou alors annuler le featuring, annuler le remix là, ce n'est pas de sa faute. Je m'adresse aussi aux Ivoiriens. Chers Ivoiriens qui allez regarder cette vidéo, sachez que c'est Dieu qui est en train d'agir sur les bandeaux. Ce n'est même pas sa conscience. Mais c'est son esprit que Dieu est en train de toucher. Parce que Dieu a dit, il est temps que le véritable auteur, pas l'auteur qui allait légaliser, pas l'auteur légal, prends ses mains. Tout ce qu'on va faire là, tu ne vas rien profiter de ça. Tu ne profiteras rien de ça. Écoute bien ce que je vais te dire. Et écoute aussi ce que je vais te dire. Tant que tu vas reconnaître Génie Solo, et que tu vas reconnaître que c'est lui qui t'a inspiré cette chanson, je te jure, moi Pifo, tu verras ce que je vais faire pour toi. Je ne promets rien. Je ne fais pas les promesses je ne fais pas les promesses du virtuel comme je vois 12 artistes t'ont promis les trucs là. Tous ces artistes, frères et sœurs, sont en fin de carrière et sont en panne de succès. Ils veulent s'accrocher sur toi pour renouveler leur audience, pour renouveler leur aura. Ils veulent tirer ta lumière. Parce qu'il faut dire que tu as d'abord une lumière. Mais Dieu n'est pas content de toi en ce moment. Parce qu'il sait que tu as menti. Il sait que tu as failli. Prends ce mec, dis la vérité. Et tu seras délivré. Tu seras plus pauvre. Je te jure. Parce que même si on cotise 1 milliard, on te donne actuellement, ça ne te servira à rien. Parce que Dieu est en train de te punir. Mesdames et messieurs, je suis bel et bien, comme vous pouvez constater, chez le docteur Moringa. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me rassure toujours chaque fois que je suis en forme. Donc, je suis venu faire mon bilan de santé et voici ça. On a détecté que j'avais des petits bobos. Voilà, donc rapproche la caméra, mon frère. Regarde ce qui sort de mon corps. Ça, c'est comme ça l'alcool. Il est en train de m'interdire, je ne même plus voir les biens. Ça, c'est les déchets qui étaient dans mon organisme. Donc, vous que le connaissez déjà, le naturopathe docteur Moringa. Est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement tes services? Oui, approche la caméra. Je suis M. Takuke Matiedi, docteur Moringa. Alors, je suis chercheur multidimensionnel. Alors, notre frère est venu pour son bilan de santé et quand un patient vient me voir, il a des problèmes de santé, c'est moi qui lui ai dit, voilà, après un bilan de santé, je lui dis, voilà comment fonctionne le cœur, le foie, les reins, le cerveau, l'appareil génital, tout le spermatozoïde, les trompes, les ovaires chez la femme. Et voilà, quand je fais cela, je lui dis, voilà, vous avez tel problème à tel endroit, et je soigne facilement. Quand on a des problèmes de myome, de fibromes, de kystes, de cancer, de troubles de vie, d'infertilité, de manque de sperme ou de manque de spermatozoïde, de diabète, d'hypertension, hépatite A, hépatite B. Et voilà, et parlant de l'hépatite B, je viens d'avoir un contrat avec le ministère de la Recherche scientifique où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre. On a vu que nous soignons sérieusement l'hépatite B. J'ai été sélectionné pour soigner l'hépatite B. Alors, quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B, je confirme que j'ai vu un test d'hépatite B et je l'envoie vers le ministère de la Recherche scientifique. On lui fait tous les examens, du test simple à la charge virale. C'est des examens qui coûtent généralement des centaines de mille. Alors on lui fait tout cela gratuitement. Et quand la personne retourne vers moi, je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois. Pendant 3 mois, ça veut dire 90 000 francs. Alors que c'est des traitements que je fais généralement à 67 500 francs. C'est une promotion pour le ministère de la Recherche à lancer avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le terrain depuis des années. Et alors donc, pour tout problème de santé, venez nous voir, vous ne serez pas dessus. Je consulte à Mangui le lundi, à Omnisport le mercredi et à Mendon le vendredi. J'ai 3 minutes dans la vie. Et soyez les gens dans tout le monde entier. Merci. Très bien. Il ne vous reste qu'à consulter le docteur Moringa. Ou bien, continuez à boire les bières, marcher, dès que vous êtes en santé. Le jour que vous avez fait le bilan de santé comme ça, comme moi, vous allez confirmer que nous sommes des cadavres ambulants. Voilà tout ce qui sort de mon corps, mon frère. On dit souvent qu'un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps. Après une séance de désintoxication, voilà le résultat.